Quand on dit que quelqu'un est maudit, tu seras toujours l'esclave. Ce que la malédiction fait, elle va traiter la capacité de domination, qui est la sagesse et l'intelligence. La malédiction va venir te dire, sois pas sage, sois pas intelligent. Dès l'instant, tu perds la capacité d'analyse des situations, de réflexion, de déduction, de créativité. Tu perds en même temps ta capacité de régner. Celui qui invente, celui qui résout plus de problèmes, sera supérieur à celui qui n'invente rien, qui ne fait que consommer ce que les autres ont inventé. Quand les Chinois se sont mis à inventer, à fabriquer, ils ont commencé à monter, ils produisaient. Quand tu es un consommateur, tu seras toujours en bas. Si tu n'apportes pas de nouvelles solutions au monde, si tu ne réfléchis pas, si tu ne prends pas le temps d'analyser, frère, ce n'est pas une affaire de venir chanter à l'église, je suis à la tête et non à la queue. Il faut chanter. Je vous ai dit ça, il faut le comprendre. Il ne s'agit pas de déclarer ce que Dieu a déjà dit. Il s'agit d'appliquer et d'utiliser la capacité qu'il t'a donnée en te bénissant. Utilise ton cerveau, réfléchis, analyse, observe, déduis, avance. L'incapacité d'aller au sommet arrive dans la vie des gens qui n'aiment pas lire. Pourquoi Salomon était le plus grand? Parce que sa connaissance du monde était supérieure à tout le monde. Si tu veux être un bon leader, tu dois beaucoup lire, tu dois apprendre, tu dois avoir des connaissances sur beaucoup de sujets. On n'a pas dit de tout maîtriser, mais comprends un peu la comptabilité, comprends un peu l'administration, comprends un peu tout ça. Si tu es paresseux intellectuellement, tu ne veux pas apprendre. Dieu a beau prononcer, tu seras à la tête. Tu ressembles à un homme à qui on a dit, tu as la capacité d'être fécond, mais qui refuse de dormir avec sa femme. Tu ne peux pas avoir le bébé, tu ne peux pas être à la tête. Si tu ne prends pas le temps d'observer les problèmes que tu as et réfléchis, pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Tu veux dominer, ta famille est sujet à tout temps des problèmes et tu vas avoir l'ascendant sur ces situations. Réfléchis pourquoi il y a des problèmes dans ton couple. Il y a des gens qui m'écrivent souvent, pasteur, j'ai prié de toute manière, mon foyer ne va toujours pas. Mais si tu parles toujours mal à ton mari, comment ton foyer peut aller bien? Il suffit de réfléchir un peu pour changer ta manière de parler. C'est trop facile de déléguer vos problèmes à des démons. Ce sont des excuses. Les sorciers me poursuivent. Ce sont des excuses. Je sais que la sorcellerie existe, mais arrêtez. Vous n'allez pas vous en sortir. Quand tu vois une personne de génération en génération dans la famille, tout le monde est pauvre. Les gens sont en dessous, Je t'assure. Tu vas voir que faut les observer. Dans la famille, là, ils n'aiment pas beaucoup lire. Dans la famille, là, quand tu vois, ils regardent la télévision. Ils sont toujours dans les films qui ne leur apportent rien. Télénovelas. Non, mais attendez. Dis-moi, ça là, c'est du divertissement. Ça va pas t'emmener quelque part. Ça ne produit que des excitations, mais ça ne propulse pas au sommet. Parce que tu laisses inactif la capacité que Dieu t'a donnée pour aller au sommet. Quand vous voyez quelqu'un qui va régner, vous observez, vous le voyez, s'asseoir devant la télé, vous allez voir qu'il sera sur les trucs comme Science et Vie, Planète. Et quand tu vois quelqu'un qui va pas aller au sommet, malgré qu'il a fini de chanter à l'église, je suis à la tête et non à la queue, quand il arrive, il allume la télévision, Novelas, film. Et quand quelqu'un vient zapper pour aller mettre sur un documentaire qui va le former, il s'élève, il faut s'occuper de la maison. Ma soeur, tant que tu te comporteras ainsi, tu vas pas aller au sommet. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder. Mais ce que je te dis, c'est que tu as reçu une bénédiction. Mais il est probable qu'un jour, un de tes parents, un problème s'est passé et on a prononcé aussi une malédiction. Qui a dit, toi là, tu serviras toujours tant, tu seras toujours en bas. Et quand on a prononcé la malédiction, elle a créé une forme d'incapacité. Tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas regarder les choses qui te forment, qui accroissent ta sagesse. Tu n'es pas attiré par ça. Si tu veux neutraliser la malédiction de l'abaissement, ne cède pas à ces gens de désir de ne pas te former. Même si tes parents ne t'ont pas mis à l'école, forme-toi. Apprends, observe, analyse, cherche à comprendre comment les choses fonctionne. Si tu es attiré vers l'électronique, démonte les appareils, regarde un peu comment ça fonctionne, comment ils ont fait ça, cherche le phénomène. Tu vas voir que rapidement, des choses vont se mettre en place et tu vas commencer à enfanter l'élévation. Que la capacité soit en toi. Alléluia.